Et salut à tous, c'est Steven, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au guide de Elden Ring. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo farm sur la tenue de fantassin. Bah, la tenue et l'équipement de fantassin. Donc j'ai passé un bon quart d'heure à farmer tout ça. Donc j'ai récupéré 3 dagues, une arbalète, c'est l'arbalète qui m'a pris le plus de temps, j'ai eu du mal à la dropper. J'ai récupéré 6 chapeaux, après j'en avais peut-être déjà un petit peu avant. 5 hauts, toute une tripotée de gantelets et des jambières de fantassin. Donc voilà tout ce qu'on peut récupérer. Donc les dagues, on va pas se mentir, c'est pas de très bonnes dagues. C'est assez rapide, mais elles font pas énormément de dégâts et elles ne font pas de saignement surtout. Sinon la tenue de fantassin, pas des stats de ouf, hein, c'est une tenue assez légère, mais ça peut être sympa pour un petit let's play un peu roleplay. Écoutez, je vais vous montrer ma technique pour récupérer tous ces équipements. Donc vous vous téléportez donc au sud du lac d'Aguil. Ensuite, pour augmenter votre taux de drop, vous pouvez utiliser les pattes en semure argentée, pattes de volaille en semure argentée, qui augmente votre taux de drop pendant 3 minutes. Donc, c'est parti. Donc, vous avez même un petit champignon, qui est pour moi l'un des meilleurs spots de champignons, parce qu'il est juste à côté du site de grâce. Donc vous arrivez, vous avez des petits soldats qui sont ici. Bon, après là j'ai pris les doubles dagues, histoire de montrer. Et vous en avez un autre avec une arbalète. Donc c'est assez rapide. Si on se débrouille bien, en une vingtaine de secondes, on a réussi à faire un tour. Après on y retourne. Donc faut pas se téléporter, sinon votre buff de drop va baisser. Donc là je vais vous montrer avec des vrais équipements quand même. On ramasse le petit champi parce que c'est gratuit, c'est sur le chemin. On sprint. Attaque sautée. Hop, vous voyez, j'ai déjà récupéré une jambière. Hop, attaque lourde. Donc dague et gantelet. Et encore des gantelets. Hop, on recommence, on repart à cheval. On se repose au feu. C'est parti pour un tour. On peut récupérer aussi des champignons, mais sur ceux-là, je ne crois pas. Et on récupère pas mal de carreaux. Donc, par contre, pour l'arbalète, c'est celui du fond qu'il faut essayer de tuer. Sinon, les autres donnent des dagues et pas d'arbalète. Et bien sûr, tous leurs équipes. Allez, on va le faire une dernière fois. Saute du cheval, attaque sautée, ça le tue en un coup. Récupère une dague. Voilà, lui il s'énerve un peu. Attaque puissante. Et l'autre. Une petite boule de feu. On n'a rien droppé. On retourne au site de grâce. Et on recommence. Là, vous voyez, vous pouvez faire vraiment un. Vous pouvez faire vraiment des. Une bonne petite séance de farm assez rapide. Du coup, sinon l'arbalète, je vous l'ai pas montré, je vais vous la montrer maintenant. Donc c'est une arbalète qui est assez faible, hein. Elle est pas très lourde, ça qui est avantageux. Elle a pas énormément de portée et elle est pas très puissante tout simplement. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Essayez de mettre un j'aime, un commentaire, ça me ferait très plaisir et ça ferait avancer un petit peu la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, salut à tous, c'était Steven.